Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur la chaîne Mario75. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale dégustation d'une pizza, les amis, avec 11 ingrédients. J'ai pris tous les ingrédients de la pizzeria disponible et j'en ai fait une pizza. Donc, la pizza s'appelle Tout Terrain. Donc, dans cette pizza, vous avez, comme je vous ai dit, 11 ingrédients. Dans cette pizza, vous avez du sauce tomate, emmental, jambon, merguez, bœuf haché, champignons, reblochon, raclette, oignon, mozzarella et pointe de crème fraîche. Donc vous avez 11 ingrédients. Vous avez du reblochon, de la raclette, de la mozzarella, du bœuf. Vous avez aussi du jambon, merguez, bœuf haché. Vous avez pas mal de choses. Donc les amis, 11 ingrédients. Donc je vais vous dire tout de suite si elle est bonne. En tous les cas, elle est très lourde. C'est un gage de qualité. Vous savez, dans une pizzeria, si la pizza est lourde, c'est qu'il y a de la camelote, comme on dit dessus. En tous les cas, pour l'instant, je ne suis pas déçu. Est-ce que les départs ont été découpés? Non. Hop. Donc, regardez-moi ces parts de pizza. Regardez-moi comment elle est épaisse. Je vais vous dire si elle est bonne. On sent bien le chèvre, on sent bien la raclette, les champignons. Regardez-moi, franchement, on sent bien tous les aliments. Elle est énorme. Franchement, elle est bien épaisse en plus. La pâte est fine, je veux dire, j'aime bien les pâtes qui sont fines, mais il y a beaucoup de garniture. Ça, c'est franchement, c'est un bon point. Franchement, très très bonne. Regardez. Donc j'ai mangé une seule part. Regardez tout ce qui reste. Donc cette pizza, j'ai payé exactement 17,90. Je vais vous faire voir à quoi elle ressemble. Là, c'est. J'avais coupé une part. Regardez-moi comment. Il y a plein d'aliments. Franchement, c'est bon signe. Comme on dit, ça dégueule de partout. C'est que la pizza est rempli. Ça, c'est très très bien. On sent bien les aliments. Parce que vous savez, des fois, trop d'aliments peut tuer le goût, franchement. On sent bien tous les aliments. Elle est bonne. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Ça s'appelle Pizza Fab à Villeneuve-sur-Yonne. C'est dans le 89. Bon, c'est pas dans le département, mais je me suis arrêté dans cette ville. Du coup, j'ai dit pourquoi pas tester. Bon, voilà. J'ai déjà testé il y a très très longtemps. Ils ont aussi un camion qui sillonne pas mal de petits villages. Donc, une fois j'ai vu qu'il y avait le camion de pizza, je me suis arrêté. Je ne suis pas déçu. Ça faisait très longtemps que j'y étais pas retourné. Franchement, elle est bonne. On se retrouve pour la suite. Donc une belle part.
Donc, comme je vous ai dit, il y a 11 ingrédients. Il y a de la viande hachée, il y a de la merguez, il y a du jambon, il y a de la mozzarella, il y a de la il y a du reblochon, de la raclette, il y a de la crème fraîche. Franchement, il y a 11 ingrédients. Il y a de la merguez, il y a des champignons. Franchement, je vais vous faire voir quelque chose tout à l'heure. Un focus, quand on voit l'épaisseur, c'est un truc de fou. Là, on va goûter le fromage seul, savoir s'il a du goût. Il a du goût. On sent plus le reblochon, par contre. Donc je vais finir ma part, les amis. Je suis en train de regarder, il va falloir que j'aille chez le coiffeur parce que là je capte Canal+, là je capte la TNT, là ça va plus. Je vais vous faire voir quelque chose. Regardez-moi ça. Regardez cette épaisseur. Là, vous voyez bien l'épaisseur. Vous avez vu comment que c'est épais? C'est un truc de fou, hein? Je vous mens pas. Hein. Et là, ils vont me dire, oh, parce que tu fais une vidéo, tu veux pas dire des trucs négatifs. Bah, vous savez, je vais vous dire un truc, les amis. Si j'avais un truc à dire en négatif, je le dirais. Moi, quand il y a un truc qui me plaît pas, vous savez très bien que je vous le dis. Quand le prix, des fois, c'est trop cher ou autre, je vous le dis. Mais là, je trouve que c'est correct. Il y a 11 ingrédients. Donc, cette pizza-là, c'est une grosse pizza. Donc, c'est la grande taille. J'ai payé, si je me trompe pas, ça doit être 17,90. Vous m'avez déjà vu sur d'autres vidéos dégustation de bien descendre de certains trucs que j'aimais pas du tout. Que ce soit le prix, le goût, tout ça. Donc là, vous inquiétez pas. Je dis ce que je pense. On sent bien tous les aliments, c'est le plus important. Parce que quand vous avez beaucoup d'ingrédients comme ça, il y a toujours un aliment qui ressort plus que l'autre. Mais là, on sent bien tous les aliments. Moi, j'aime bien en plus quand c'est des pâtes fines. J'aime pas les pâtes épaisses. Ils vont me dire là, mais Mario, elle est épaisse. C'est normal, il y a plein d'ingrédients. Ça serait une pizza, je sais pas moi, une normale chèvre-miel. Donc là, vous verrez, la pizza, elle est fine. Mais là, c'est tout terrain, il y a 11 ingrédients. Donc, je suis désolé, les amis. En fait, samedi, je vais vous sortir une vidéo dégustation restaurant chinois à volonté. Malheureusement, j'ai supprimé la vidéo par inadvertance. Du coup, je vous ai refait une vidéo cette semaine. Au moment que je tourne la vidéo, on est vendredi soir. Du coup, je peux la posterai demain. Et quand je vous la posterai, il sera samedi. Voilà. Et ce soir, on se retrouve, donc c'est-à-dire samedi soir, pour un live calcul. Donc, n'hésitez pas à être présent à partir de 22h.
Bon, bien sûr, la pizza, là, je vais pas la terminer, les amis, je vais la garder pour demain. Réchauffée, des fois, les pizzas sont encore, c'est même meilleur, mais là, elle était très bonne. Sur 10, je noterai un bon 8 sur 10. Très très bonne, franchement. J'ai rien à reprocher. Vous voyez. Donc là, il y a bien. Vous allez là, vous n'allez pas être arnaqué. Il y a de la garniture, franchement, c'est très bien. Donc je note un bon 8 sur 10, que pour moi, la note parfaite n'existe pas. Le 10 sur 10 n'existe pas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Quant à nous, on se retrouve ce soir à partir de 22h pour un live calcul. Sur ce, je vous dis à la prochaine sur la chaîne Mao75. Ciao!